Bon, mais bonjour à vous, et bien ça y est, bien, donc de retour en cuisine. Donc je vais juste d'allumer ma petite plancha. Ce soir, je vais vous faire des coquilles Saint-Jacques fraîches, comme vous le voyez. Et je vais vous les cuisiner à la plancha avec un petit beurre persillé. Donc un truc simple, parce que la coquille Saint-Jacques, mieux c'est simple, mieux c'est. Les sauces, machin, truc, moi particulièrement, je préfère comme ça. Donc là, plus c'est simple, mieux c'est la coquille Saint-Jacques. Ça, il faut vraiment y penser. Donc là, je vais mettre du beurre, un petit peu de beurre. Ça, c'est pour la sauce, pour la finition. Je mets un petit peu de beurre sur ma plancha. Voilà. Et là, je vais allumer à feu doux mon petit beurre. Et là, on va commencer. On les plonge. Donc ça cuit vraiment très très vite. On va faire à peu près une minute cinq aller-retour. Je salerai à la fin. Là je vais simplement que poivrer. Mon petit ustensile. Regardez, on va les faire caraméliser. Ça va super vite. Regardez-moi ça, elles sont super jolies. Et je vais dresser ça sur une feuille d'endive. Vous allez voir, c'est super, ça va être super joli le résultat. Donc ça saute un peu, vous faites attention. Là, dans mon petit beurre, je vais mettre du persil. On baisse le feu. On retourne encore un petit chouïa et là ça va être prêt dans quelques secondes. Elles sont super belles, regardez. Le beurre est prêt, je l'éteins. Je prends ma petite assiette. Nous allons les dresser. J'avais des petites feuilles d'endive, mais je vais m'amuser avec. On va faire un dressage dessus. Donc vous les inclinez légèrement, j'éteins mes plaques et là on va les mettre comme ceci. Regardez, c'est super simple. Bien sûr, il faut que ça tienne, mais ça va tenir. Regardez, au pire, si ça tombe, vous les mettez, vous les disposez d'une autre façon, de ce côté. Voilà. Et là, les deux plus grosses, on va les mettre ici. Et ici. Quand là, c'est terminé, vous prenez une cuillère, du beurre avec du persil. Donc là, c'est nickel. Avant ceci, surtout, le meilleur, c'est du gros sel. Et là, vous mettez un tout petit peu au-dessus pour le côté croustillant. Et après, je vais mettre mon petit beurre persillé dessus. Voilà. Et là, regardez. Il n'en faut pas des masses, un tout petit peu comme ça. Et là, c'est un délice. Et voilà. Et voilà, donc je vous présente mes coquilles Saint-Jacques beurre persillé avec un petit peu de gros sel. Et voilà, donc moi, je vous conseille de... Je vous conseille sincèrement de la coquille Saint-Jacques se mange le plus sainement possible. Moi, je ne suis pas trop pour tout ce qui est incorporer les sauces et tout avec la coquille Saint-Jacques. C'est un produit quand même qui est noble. Et on va dire que le plus simplement possible, il faut le cuisiner vraiment le plus simplement. Et là, c'est simple avec un petit beurre
persillé, cuisson à la plancha, c'est nickel. Donc voilà, bon, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bonne soirée à vous.